Salut la famille X, c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un sac qui m'a été envoyé. C'est génial, on m'envoie encore des messages en pleine vidéo. Il y en a marre les gars, je me mets sur silencieux, voilà. Non mais, au bout d'un moment, faut arrêter de me déranger, moi je bosse là. Qui m'a été envoyé, je disais quoi, je sais plus. Oui, on va tester un sac aujourd'hui, un sac dédié au FPV, ou à la photo, au vlog, voilà, selon... votre activité de prédilection. Il m'a été envoyé par Banggood. Il est de la marque RUAV. Écoutez, c'est un petit sac qui est pas trop mal. On va déballer tout ça. On va voir comment c'est foutu, ce qu'il y a comme emplacement de rangement, comme ci, comme ça. Et puis voilà. Et puis surtout, je vais vous le faire gagner à la fin de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à rester connecté, à suivre cette découverte de ce nouveau produit. À tout de suite, on déballe ça. Et allez hop là, sortons ce petit sac qui m'a été envoyé par Banggood. Eh ben ça a pas l'air d'être dégueu du tout, ça a l'air d'être même plutôt mignon. Donc à chaque fois on a, c'est marrant ça, une espèce de petite top plate avec un strap, la top plate est en carbone en plus, hein, c'est propre. C'est franchement propre. On va pouvoir strapper un quad. Voilà. Donc là c'est cool. On peut en mettre déjà deux sur cette face-là. On peut en mettre. Ah ici, c'est pas un espèce de top plate. Là, c'est juste un strap. Voilà. On peut en mettre un autre ici. Donc on peut régler la taille. Ça c'est cool. On peut en mettre un autre là. Donc on peut mettre déjà quatre quad sur ce petit sac, c'est pas mal du tout. On a des petits pads antidérapants en dessous, ils permettent de protéger un petit peu le tissu quand on le pose par terre. Voilà. Alors si on reste sur la face avant, qu'est-ce qu'on a? On a un petit soufflet là, je vois rouge. Alors on a deux fermetures avec des espèces de petites protections en plastique comme ça. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit des fermetures étanches, malheureusement. Je peux pas tout avoir, hein. Voilà. Donc là, ok. Donc là, à l'intérieur, ici, on a de quoi mettre des trucs. Et le soufflet, il sert à quelque chose, là, ou pas? Je découvre, hein. Je suis en même temps que... En même temps que vous, je découvre comment c'est fait. Ok. Donc on a des petites poches ici, de quoi ranger un ordinateur par exemple, là. Là, de quoi mettre des outils, genre son TS100, par exemple. J'en ai un qui est là. Hop. Par exemple, je vais mettre mon TS100, là, comme ça. Peut-être un petit peu trop de lumière, là. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà, on va se mettre comme ça, ça serait peut-être mieux. Voilà. Alors, ici, on a une poche sur le dessus pour mettre des trucs. Franchement, la Tango 2, là, elle serait parfaite. Vous savez quoi? Je vais prendre mon sac où j'ai mes trucs qui sont rangés et on va tester un petit peu les capacités de rangement du bordel. Alors, j'ai ma Tango 2 qui est ici. Voilà. Elle rentre. Attendez. Je mets le truc correctement. Ah, je ne sais pas si elle rentre avec sa housse. On va essayer. Sans. On va se mettre en ISO auto. Voilà, comme ça, la luminosité va s'adapter selon qu'on ait le fond noir du sac ou le blanc de l'intérieur. Donc là, la Tango 2 ici. On va mettre l'antenne. On dirait que c'est fait pour la Tango. Et du coup, elle apparaît ici. Et là. C'est genre la poche parfaite pour ça. Voilà. Tac tac. Donc après on a la poche principale. Toujours avec les petites protections, les petites boucles là pour attraper plus facilement. Ah, intéressant. On a encore des grandes poches là, comme ça. Très intéressant. On a une double fermeture. Il y a
quand même de l'espace, hein, mine de rien. Alors ça, alors ça c'est très intéressant. Bon, ça on va regarder ça après. Mais ici, là, on a une housse. Vous avez dit qu'on n'a pas des fermetures étanches, mais si jamais il pleut, pour protéger le contenu du sac, vous n'avez qu'à mettre la petite housse par-dessus. Merde, c'est une espèce de housse en mode kawaii. Hein. Vous mettez ça par-dessus et hop, votre sac devient étanche. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Donc ensuite, une fois qu'on a ouvert la poche principale, on a un bel espace. Donc c'est livré avec des séparateurs. Voilà, pour pouvoir faire des compartiments en fait. Vous créez vos propres compartiments à la taille que vous voulez. Vous les adaptez. Vous avez un scratch en dessous et deux scratchs sur les côtés. Vous les positionnez comme ça à l'intérieur. Vous faites vos compartiments. Donc, si jamais vous avez un appareil photo, par exemple, à rentrer ou des lipos, etc., vous voulez faire des compartiments, voilà, vous pouvez les faire comme ça, avec les petits scratchs. Et on va tester ça tout de suite. Et par exemple, faire un compartiment vertical, aussi. Voilà, donc imaginons que ici, bah, je mette de la lipo. Voilà. Et j'ai envie d'amener aussi mon matos photo pour faire de la vidéo et vloguer. Je peux mettre mon appareil à l'intérieur. Alors du coup, je ferai peut-être pas comme ça. Tac. Boum. 70-200, va peut-être être compliqué à caser, mais... Je sais pas comment je mettrais... Je ferais plutôt ça, comme ça, je pense. Parce que du coup, ça peut faire un sac de quad, tout comme ça peut faire un sac photo. Au final. Tac. Je vais même mettre ça là. Hop. Et ensuite, venir caler mes lipos. Sur le fond là, comme ça, je les cale toutes comme ça, pim pam poum, et la suite pour ceux qui connaissent la chanson, voilà, hop, c'est franchement pas mal hein. Là, il me reste un compartiment, là. Enfin, de quoi faire un compartiment que j'ai pas utilisé. Hop, je ferme. C'est assez marrant ce qu'ils ont choisi là comme matière. Ça a l'air d'être assez résistant. Très marrant. Hop, voilà. J'ai ma Tango 2, mon appareil photo. Tac. Qui est fermé, et on a enfin derrière, c'est pas mal, il y a des intéressants. On a encore une dernière poche qui est là, dans laquelle là on peut mettre un ordi. Voilà, ici on peut mettre un ordi, et moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la housse kawaii ici. Pas beaucoup d'espace, hein. Je vais vous montrer. Vous voyez un petit peu? Voilà. C'est franchement pas mal, hein? Il y a de quoi faire, il y a vraiment de quoi faire. C'est pas mal du tout. Enfin voilà, c'est pas dégueu, hein? C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Tac. On va quand même voir ce que ça donne quand on met un quad dessus. C'est quand même un petit peu le but du truc. Ouais, le strap est largement assez gros pour maintenir un quad. Il n'y a aucun souci.
Ok. Tac. Les petits trucs sur le côté là. C'est nickel. Bon, franchement, pour le prix, c'est pas mal. On a des petites poches là. Ah, qui sont extensibles. Vous voyez ? Un petit élastique là pour que ce soit extensible. On pourra mettre un petit pied photo par exemple. Pareil ici, c'est extensible. Bon, attendez, parce que là, moi j'ai fait le malin. J'ai mis ma Tango 2. Ok, c'est bien, c'est cool. J'ai mis du matos photo, mais en fait, non. Voilà, j'ai mis un gros 5D dedans et un 70-200, mais il faut peut-être quand même que je puisse mettre mes lunettes. C'est quand même un peu plus important. Donc en fait, je pense que la disposition, elle serait plus comme ceci. Tac. Il faut que je mette mon... faut que je remette mon VRX analogique sur mon... sur mes lunettes DJI. Si je cale ça bien comme ça. Tac. Yeah. C'est peut-être mieux comme ça. Ah! Et ben voilà. Une première. Ah ouais, mais c'est parce que c'est. Premier truc que je vois là, j'ai déchiré un petit peu là en fait. Je disais que ça avait l'air solide leur plastique, mais au niveau de la couture là, c'est un petit peu fragile. C'est dommage. J'ai un petit peu déchiré. Déjà. Mauvais point. Mais c'est pas mal. Là ici, on a une petite sangle pour resserrer les lanières au niveau de la poitrine. On a de quoi mettre des mousquetons là. Franchement, c'est plutôt complet. Hein. La poignée là, du dessus, je la trouve, elle est pas mal. Elle est bien large, bien épaisse. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, alors, du coup, là, le seul gros bémol, parce qu'au niveau de du tissu principal, il n'y a aucun souci. C'est franchement, c'est robuste. Par contre, ça, en fait, en soi, ça, c'est solide. Mais ce qui n'est pas solide, c'est au niveau des coutures, en fait. C'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. C'est le petit bémol, là, que je vois. Ici, là, ouais. Je vais le recoller, je pense. Mais, mis à part ça, il faudra faire gaffe. Alors, je ne sais pas si les miens étaient défectueux ou quoi, parce que j'ai l'impression que de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais sinon, franchement, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Tac, tac, tac. Ça peut contenir. Hein. Ça peut contenir. Et là, j'ai encore la place. Hein. Là, j'ai mis des trucs vite fait pour vous montrer ce qu'on pouvait éventuellement mettre dedans. Mais il y a de la place encore. Franchement, il y a de la place. Ah, tac. J'en ai quand même rentré à l'intérieur. Mine de rien. Ah, c'est sympa. Sympa, sympa, sympa. Voilà. J'ai le micro qui tire. C'était une batterie là.
Voilà. Boum! Eh ben, c'est pas dégueu, ce petit sac Uruavé. Je vais faire remonter à Banggood, là, cette histoire de couture, là. Je vais voir si... je vais... Enfin, le problème, c'est que s'il m'en renvoie un, le temps que ça arrive, le giveaway, vous n'allez jamais l'avoir. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Je vous offre celui-là ou j'essaie de le faire remplacer. Sinon, je le répare moi-même. Je vais voir. On va voir. Mais c'est pas mal du tout. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez pu voir que c'est un sac assez plaisant, surtout pour son prix. J'ai une antenne. Mes cheveux sont indisciplinés, il faut que je refasse mes tresses là, mais j'ai un peu la flemme. Malgré le confinement, mais je vais m'en occuper. C'est pour ça que j'ai une tête de con, mais voilà, c'est comme ça. J'aime bien ressembler à un con, c'est comme ça. Écoutez, chacun ses passions. Mais revenons au galop sur nos moutons, je sais plus ce que je disais. C'est un sac qui est pas mal. Malgré le petit bémol sur la qualité du tissu intérieur, l'espèce de tissu transparent. J'aime beaucoup l'idée d'avoir un tissu translucide pour pouvoir voir ce qu'il y a à travers. C'est cool pour identifier rapidement où on a placé les trucs dans le sac. Sauf que c'est pas solide au niveau des coutures. Vous avez vu, en voulant le refermer, ça s'est déchiré légèrement. Enfin, ça s'est déchiroté. Voilà. Je vais réparer ça. Je vais mettre un petit coup de couture. Hein. Voilà. Pour réparer ça. Et je vais vous offrir ce sac. Alors, c'est très simple. Pour participer, il suffit de mettre un commentaire dans cette vidéo. En mettant « je participe ». Voilà, un commentaire. Mettez n'importe quel commentaire, ce que vous voulez. Mais intégrer dedans « je participe » et je tirerai au sort le gagnant. C'est d'ailleurs maintenant l'heure de tirer le gagnant du dernier giveaway qui concerne le Mobula 6. Donc, le nom va s'inscrire ici. Voilà. Tu as gagné le Mobula 6. Il faut que tu me contactes grâce au mail de la chaîne qui est dans les informations. Tu regardes dans les informations de la chaîne. Il y a mon mail. Tu me contactes, tu m'envoies un message, tu m'envoies tes coordonnées et Banggood va t'envoyer directement chez toi un Mobula 6. Voilà. Que dire de plus? Rien. Il y a plein de tests qui arrivent là. Notamment des tests des nouveaux produits de chez Home FPV qui devraient m'envoyer à partir de maintenant tous les quads de leur gamme. Voilà, et j'aurai du coup des réductions pour vous. Voilà, donc si vous voulez acheter des quads de cette marque, envoyez-moi un petit mail, je vais peut-être vous faire bénéficier de 20% de réduction. Et ça, c'est quand même. Enfin, 20%. Je m'avance un petit peu. Je vais négocier avec eux, mais je devrais pouvoir négocier des réductions avec eux. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme information à vous donner? Je ne sais plus parler français. Je dérape, je ne sais plus parler français. Je ne sais plus. Mais je ne sais pas. Donc on va arrêter cette vidéo à partir de maintenant. Donc je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire si vous voulez participer au giveaway. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures vidéo. Allez, portez-vous bien. À toutes.